Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une rando organisée. Ouais, elle n'a pas été annulée, on est sur les terres de Cérest. Donc derrière moi, vous avez le club de Cérest qui a préparé tout ça. Et ils ont eu les autorisations, donc on va pouvoir aller s'éclater. En plus, il y a des singles vraiment de folie. Et en plus, ça sera peut-être la seule de l'année qu'on va pouvoir faire. Alors, fallait pas la rater celle-là. Va des rétros, Satanas, engin du mal. Hey, il est beau, regarde, j'ai pensé à toi. Oh, il c'est est au là. Cas où tu sois trop fatigué. Ouais, ouais, je vais en avoir besoin aujourd'hui. Allez, on est parti. On est parti dans la première belle côte d'entrée. Vous avez passé le petit kilomètre de route pour rejoindre les pistes. Et là, c'est vrai, de toute façon, c'est un parcours de 40 km, 1003, 1004 de dénivelé, à peu près, je sais plus. Donc il va falloir se préserver parce que ça va monter et il va y avoir de belles descentes techniques par endroit, donc pas reposante non plus du tout. C'est un super spot en tout cas pour faire du VTT et se faire plaisir. Après 150 mètres de dépôt, ça va aller. Oh, à la droite. Vous avez vu, c'est bien sympa en tout cas. Par contre, c'est des petites caillasses, ça a tendance à rouler. L'adhérence, faut faire gaffe là-dessus. J'ai l'arrière qui glisse. L'arrière glisse beaucoup là. Un petit peu de technique. Hop, hop, hop. Allez, on lâche le frein. Ouais. Petit plaisir en descente, ça se paye cash. Là on va remonter, si j'ai bon souvenir, pendant un petit moment. Donc va falloir s'économiser là-dessus, parce que c'est que le début de la rando. Et on est déjà pratiquement 200 mètres de dénivelé pour 3 km 75. Allez, on essaye de se refaire un peu, de récupérer les copains qui sont juste un peu plus loin. Petite partie un petit peu plus roulante en faux plat montant. Ouh. Déjà fatigué quand même. On est à 5 km 71, 355 de D+. Allez, le répit a été de très courte durée, de l'ordre de 200 mètres. Et là, on est reparti de suite dans la côte là. Chaque semaine, on a décidé maintenant qu'il y avait une petite recrue de l'école VTT qui viendrait m'humilier. C'est chose faite encore aujourd'hui. Il est là. Pour l'instant, il n'ose pas doubler par respect de l'ancien. Mais bon, dans pas longtemps, je vais prendre ma race encore comme la semaine dernière. Alors, ce rando. Ouais, ça va, hein, ça roule. Hein. Ça roule, ça roule. Ouais, moi, j'ai quand même sous la pédale. Moi, j'ai l'impression que ça monte plus que ce que ça roule, mais... discrètement, si les copains me voient pas, je vais partir là-dessus, je leur dirai que je me suis trompé, j'ai pas vu les panneaux. Allez, on s'est regroupé, c'est reparti pour une côte. Bon, là on est en rando organisé, alors je pense que le groupe Eto de 6 est pas d'actualité. Allez les amis, c'est pour moi, c'est cadeau. On est allé vous chercher ce petit point de vue. Bon, ça paye pas trop de mine, mais on n'avait pas mieux sous la main.
peu plus trop, un petit signal. Ouais, c'est un signal montant, je crois. Je sais plus. Ah non, ça descend encore. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Attention, arbre! Oh, elle est bien sympa, tu vois. Ah, il faut se lâcher. Il y a du grip. Ouais. Pas trop freiner. Et bien souple sur les jambes pour absorber tous les chocs. Soulève. Oh, il est bon celui-là. Allez, on va chercher un deuxième petit single tout aussi sympa, si ce n'est plus, pour après, bon, par contre, se retaper pas mal de montées. Allez, on y est. Ah, et Mino, je l'ai laissé de bord, là, tu vois, déjà, là, ce qu'il a pris en termes de distance. Tu comprends pourquoi je l'emmerdais tout à l'heure. Celui-là aussi est sympa de single. Oh, on a sauté. C'est pas moi. Ouh. Ah. Fini. Ah non, c'est pas fini, pardon. J'ai cru que c'était fini. J'ai cassé le rythme de tout le monde. Putain, je suis bien là aujourd'hui pour l'instant. Franchement, je suis pas trop mal. Allez, c'est terminé cette fois-ci pour ce single. C'est reparti pour de la montée. Allez, après cette petite aparté, on est reparti dans le vif du sujet. Allez, on se refait sur un petit morceau de plat. Elle s'est tapé un beau pétard. On est à 13 bornes, 600 mètres de dénivelé. Allez, on est toujours dans la montée. On a fait 650 mètres de dénivelé pour 14 bornes. C'est vrai, c'est un peu comme la vidéo de la semaine dernière à l'accro. Tu montes, tu descends, tu descends, tu montes, tu montes, tu descends. Du coup, c'est cardio et ça la rend d'autant plus difficile. Parce qu'il n'y a pas un moment de répit. Yes. Thank you.
Bon, alors, cette descente, t'es dans la cam. Qu'est-ce que t'en as pensé? Elle est dans la cam. C'est bon. Allez, partie de descente finie, ça repédale un peu, on va se regrouper un petit peu plus loin avant d'attaquer une bonne et longue côte qui devrait nous ramener au ravito, au premier ravito. C'est reparti pour une longue montée, de longue montée. Non, ça monte pas. Alors ça va. Fait pas longtemps. On s'est regroupé et c'est parti. Allez, on arrive en haut de cette terrible montée. On est pratiquement à 20 km. 812 de D+. Bon, on est en haut. Je sais pas si vous verrez, mais là-bas au fond, il y a la mer. Putain, on est allé la chercher, ça a l'air d'en chier. Allez, on y est, premier ravito, après 20 bornes, 850 mètres de D+, enfin la récompense. Yeah. Ça va. Je devrais redescendre un petit peu. On va essayer d'être aussi détendu que sur les autres. Par contre, ça grissouille un poil, ou c'est moi qui... Ah oui, non, c'est là, bien. Peut-être que celle-là, elle est belle. Oh putain, la fumée! Tu vois plus rien, quoi. Oh, elle est pas bonne, ça là, les amis. Allez. Oh, faut pas avoir les épaules larges ici. Hein. Regardez comme c'est magnifique là. Oh là là. Je mets les yeux au quoi. Quand je le dis, le CRS c'est le paradis du VTT. C'est pas faux. Alors, faut essayer d'être souple sur le guidon avant pour pas qu'il plante dans les rochers. Enfin dans le pierrier. Bien appuyer les talons sur les pédales pour avoir plus de stabilité. Ça, c'est Anthony qui me l'a appris. Et c'est vrai qu'il y a du... Il y a beaucoup de lieux. Allez, adieu Blotin. Il est pas fort. Ça fait pas les coups. Allez, go. Joli. Allez les amis, allez. Allez, on y va. Bien qu'il y a une technique. On freine un petit peu. Allez. Hop. On est passé. Oup là. Allez, c'est un peu de distance.
tu vois, le mec il est devant, il laisse pas passer, rien à foutre. Allez, par la gauche. On est tourné. Il y en a, ils ont vraiment aucune tolérance. Bon là, je sais pas si vous avez senti ma banane en vidéo là, mais je me suis putain de régalé dans cette descente. Super longue, je pense qu'elle fait au moins 5-6 minutes. Que du régal. Bon, maintenant par contre, on va rentrer dans la souffrance là. Là, ça va faire mal parce que la deuxième partie de la rando de Céreste, si je me souviens bien, c'est là que ça monte le plus dur quoi. Donc voilà, ben, on est reparti pour se faire un petit peu mal. Allez, on est toujours dans le dur. Pratiquement à 1000 mètres de dénivelé positif. On s'accroche. Bon, on en chie les amis. Mais bon, on en chie avec un temps de folie et un point de vue magnifique aussi. On s'accroche, on est à quoi? 28 km, 1050 mètres de dénivelé. Là, ça commence à tirer dans les cuisses et dans le mental. Ça fait un très très long moment qu'on monte là. Je crois que c'est pas encore fini. Ça commence à tirer un petit peu dans les pattes. Il y a 1120 de dénivelé. Tout doucement, on grignote. On grignote. Bon, on n'est pas encore en haut. Ça continue de grimper là. On se fait un plateau bien bien sympa là. Oh putain, c'est fait avoir. Ça descendait pas, ça roule. Ça roule. Fausse joie, mais c'est compensé par un ravito. Miam miam. Allez, après 1200 mètres de dénivelé, on a bien mérité. C'est notre Spielberg à nous. Un morceau de chocolat. Et deux même, je dirais. Deux. Chine. Chine chocolat. Petite pierre là, ils te font rouler. Saloperie. Gauche. Il a pas la même droite que nous. Voilà. Elle est pas belle. Oh, encore, j'ai un peu mal au poignet. Et tu vois, moi, quand je fais des dérapages comme eux, je perds pas de vitesse, moi je perds la vitesse. Ouh. La fatigue, la vie. Avec la fatigue. Je vois tous les coudes. J'ai les cuisses qui brûlent les amis. Ouh. Voilà. Et que c'est magnifique. Putain, il manque qu'elle s'arrête. Je tiens plus sur les cuisses. Ouh. Ah, je commence à avoir des crampes. Des crampes au mollet.
Oh, je subis là, les amis. Oh, je peux plus. Ah. Allez, on essaye de repartir. Oh, j'ai les cuisses, on peut plus. J'étais obligé de m'arrêter. Allez, je crois qu'elle est. Elle est pas loin d'être finie celle-là. Je sais plus venir, ouais. Oh, celle-là encore une tuerie. Obligé de m'arrêter en plein milieu. Mais mollet des crampes. Non, je tenais plus. Mais un régal, un régal. Putain, franchement, vous allez regretter de pas l'avoir faite celle-là. Allez, on saute. Olé. Allez, on s'est remis dans le sens de marche. Ça remonte un petit peu là. On va aller chercher, je sais pas. Je crois qu'il y a encore une descente et après une belle remontée sur goudron, il me semble, de mémoire. Et on verra bien. On avait dit qu'on allait reprendre la foudre en montée là. Avant de redescendre un petit peu. C'est gagné. On est dans un petit single de... tout en relance là pour te finir, tu sais, pour te finir les cuissons. Et ça reste toujours aussi joli. Allez, on est toujours dans le dur là. Petit single qui devrait nous remonter jusqu'en haut là de la DFCI qu'on a prise en montant. Et où on va redescendre tout en bas en la coupant par des petits singles. Allez, c'est parti. Donc là, on est dans ce que je vous disais, les petits singles qui coupaient à des RCI qu'on a montés tout à l'heure. Comme vous pouvez voir, ils sont techniques. Hein. Pour finir la sortie. De toute façon, on avait fait les belles descentes, alors en même temps. Ouh. Allez, voilà. Courte, mais bonne. Bon, ben voilà, on a rejoint la route qui va nous ramener tranquillement au départ. Quelques coups de pédale encore à donner. Et ben franchement, ce fut une rando comme l'année dernière, superbe. Des descentes de folie. Je sais pas ce que je vais arriver à vous mettre dedans parce que sinon la vidéo elle va faire 40 minutes. Tellement qu'elles sont longues et bonnes du début à la fin. Donc on va essayer de vous mettre le meilleur qu'on puisse mettre dedans, quoi. Petit Jean-Louis. Voilà. Franchement, pour ceux qui l'ont pas fait et qui sont du coin, vous avez raté quelque chose. Maintenant, on se retrouve dans 5 minutes pour boire un petit coup avec les copains à façon Croix-Roi Team. Ils sont bon, les amis, rando fini. Du coup, on va la débriefer comme il se doit. Voilà, voir un petit peu les trajectoires qu'on a ratées, tout ça. On va regarder un petit peu où on peut améliorer, la chose. Voilà, ben j'espère que ce rando vous donnera envie de la faire. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et merci le club de Cérest.